Marion Gamme est décédée le 23 mars des suites de la maladie d'Alzheimer. Ses obsèques se sont tenues ce vendredi 31 mars au matin en l'église Saint-Roch à Paris. La fille de l'actrice, Virginie Ledieu, était présente tout comme ses petits-fils Aurélien et Arthur Rénal. Et de nombreuses célébrités du monde du théâtre et de la télé avaient aussi fait le déplacement. Les acteurs de scènes de ménage, Anne-Elisabeth Blatot, Amélie Etas, Frédéric Boulet, était là, et bien évidemment, le comédien Gérard Hernandez. L'acteur de 90 ans s'est montré très marqué en ce jour d'adieu. Il a donné la réplique à Marion pendant 14 ans. C'est d'ailleurs lui qui avait poussé les producteurs à embaucher l'actrice pour incarner Huguette. Gérard Hernandez, qui a eu un geste fort pour celle qui lui a donné la réplique. De nombreux invités ont offert des fleurs pour la cérémonie. Et Gérard Hernandez a tenu à faire seul ce cadeau aux proches de Marion pour signifier sa relation spéciale avec l'artiste. Sur le plus gros arrangement floral, composé de lys et de roses rouges, on peut voir une bannière avec une simple inscription « Merci », signée Gérard.